Merci, monsieur le procureur. Monsieur, on ne dit pas monsieur le général. Le mouvement général, on va aussi. On dit mon général. Mesdames et messieurs, monsieur de Soli, mesdames et messieurs les invités, les administratifs, vous qui avez mené à bien ce dossier. Oui, c'est vrai qu'à la montée, nous travaillons de plus en plus avec le ministère de la Justice depuis quelques temps. Et c'est une bonne chose pour les justiciables, c'est une bonne chose aussi pour la société, en général. Et nous travaillons avec la gendarmerie. Notre convention va être signée, on va la signer très prochainement. Nous augmentons les postes réservés, nous travaillons avec les registres de plus en plus. Nous avons mis en place une CMU qui fonctionne et fonctionne très bien avec la police municipale. Nous avons un CLSPD avec un animateur qui est motivé et qui, depuis quelques années, c'est vrai qu'avec la COVID, on a eu moins d'activité, mais depuis quelques années, c'est un CLSPD qui vit. Qu'il soit de plus en plus dynamique, mais c'est un travail qui se fait et qui se poursuit. Monsieur le procureur, le général, croyez-moi, la mairie de la Montagne croit aux valeurs cardinales qui fondent la société, qui fondent notre République, et la justice a sa place, effectivement. La meilleure façon de garder notre société soudée, c'est très tôt. De pouvoir prévenir la délinquance et aussi de pouvoir arrêter les petits faits de délinquance, un petit délinquant qui devient après un point délinquant, s'il se rend compte effectivement, eh bien, être dans le phénomène de délinquance, ça paye. Mais s'il se rend compte très tôt, peut-être fini que ça ne paye pas, mais on pourra tout gagner. Donc cette justice de proximité, la mettre en place, avec vous, avec votre propos, c'est ce que je vous disais, nous faisons déjà depuis tantôt avec le CIMIG, ce que nous allons faire avec vous, avec l'audience, les audiences foraines. Et puis, c'est vrai que quand on a dit qu'il fallait réhabiliter l'ancien palais de justice, on n'y avait pas pensé. On avait pensé à mettre nos policiers dans des conditions de travail beaucoup plus.